Le monde ne tourne pas rond. Avec l'insolite, Geoffrey vous le prouve. Allez, on va se faire un point Nono, on va se faire un point Wewel, un point Noël. Et oui, il reste 11 vendredis avant Noël. L'autre jour, je vous l'avais fait, il en restait 15. On est déjà à 11 vendredis avant Noël. Le premier catalogue de jouets est déjà arrivé dans ma boîte aux lettres. Ça arrive jamais en retard, hein, ces machins-là. C'est comme les impôts, t'as remarqué? Ah oui, puis c'est douloureux aussi, hein. Oh là là, quand tu vois arriver ça, que tu vois le petit qui fait au moins 22 croix et demi par page, tu te dis, ouh, ça va faire mal. Ah oui, tu te dis, je vais le sentir passer un peu comme madame quand monsieur se place derrière. Mais stop à la comparaison, c'est la magie de Noël. Et la magie de Noël, c'est que ton compte avant Noël est à flot, et qu'après Noël, ton compte a coulé. Voilà, c'est le Titanic version Noël. À tout pareil, il reste quelques survivants seulement, quelques euros qui flottent à la surface. Viens ici, mon billet de 10. Nous étions faits l'un pour l'autre. Oui, mais il n'y a pas de place pour nous deux sur cette porte qui flotte. Je suis appelé par les profondeurs du distributeur. Je coule dans la machine à sous. Adieu, blub. Ça, c'est le bruit du billet qui coule, hein. Comme Leonardo DiCaprio dans le... Voilà. Sinon, je vais très bien. Alors, on est quand même début octobre et on a déjà le catalogue de jouets dans la boîte aux lettres. Non, mais à ce rythme-là, moi, dans 2 semaines, j'achète mes chocolats de Pâques. Hein. Dans 1 mois, je veux des tongs et des maillots de bain dans les magasins pour préparer l'été. Et 15 jours plus tard, je fêterai mes 75 ans. Attends, je sais pas, apparemment, faut tout faire en avance. Qu'est-ce qu'ils ont à faire ça en avance dans les magasins? Bientôt, tu seras tellement en avance que t'arriveras à la boucherie, t'auras la vache vivante dans la vitrine. Je vais vous prendre 2 tranches de jambon, s'il vous plaît. Oui, 1 minute, on va tuer le... Non, pour Noël, on va attendre un peu quand même, hein? Parce que c'est beau la magie de Noël, mais là, ok c'est thématique, mais quand même, ça fout les boules. Retrouvez cette histoire et d'autres sur la page Facebook L'insolite de Geoffrey.